Yannick ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Plus tard, je ferai poseur de sol ». Non, tout est arrivé par hasard. Je cherchais un apprentissage, puis je ne savais pas dans quoi vraiment me diriger, voilà. Et puis, j'ai essayé marbrier, électricien, mécanicien. Puis, une fois, je suis tombé sur cette entreprise, Tapir. J'ai fait un stage, puis pendant mon stage, j'ai posé du parquet, puis ça m'a plu directement. Enfin, je me suis pas ennuyé une seule fois pendant le stage, donc j'ai voulu continuer en fait. C'est donc chez Tapir SA à Marin que l'apprenti de 17 ans a fait ses débuts. Avant, le monde des poseurs de sol lui était parfaitement inconnu, mais à un point... En fait, au départ, je croyais même que c'était du carrelage, mais en fait non, c'est tout ce qui est bois ou revêtement, mais moi je suis plutôt dans le bois. Du reste, aujourd'hui, Yannick s'occupe de la pose du parquet dans une maison de 200 ans en rénovation. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pose comme parquet, Yannick? Ouais, des plats... Mais je sais pas comment dire... On a un souffleur dans la salle. Ouais, mais... Ah, du Carmen. Ah ouais, ok. Du Carmen, ben voilà. On l'appelle parquet parce qu'il a une couche ici de bois noble, donc en l'occurrence du chêne, de 4 mm d'épaisseur, ce qui permet de le rénover après plusieurs fois, donc durable sur les années. Et Carmen, c'est à cause de son motif. Mais bref, ces plaques de bois carré sont assemblées au sol comme un puzzle sur de la colle, et pour l'ajuster, il faut pas y aller de main morte. Ça doit faire mal, non? Non, ça va. Au pire, il y a la cale et puis le marteau aussi. Si vraiment, ça fait trop mal aux mains. De l'extérieur comme ça, tout a l'air de se mettre en place harmonieusement. Pourtant, dans cette vieille maison, c'est un défi en particulier pour la pose de ce qu'on appelle la frise, une sorte de cadre qui entoure les plaques de parquet. La difficulté, c'est les coupes après. Toutes ces petites coupes, avec les murs, ils sont pas forcément droits. Ça nous fait des coupes pas très de biais en fait. Depuis qu'il est en deuxième année, Yannick a gagné en autonomie. Parfois, on lui confie même un chantier à lui tout seul. Bon, il y a toujours un ouvrier qualifié dans les parages, au cas où. Au moins, je sais que je suis capable de pouvoir le faire, puis faut que je m'organise comme ça. Enfin, ça m'aide en tout cas. C'est quand même chez quelqu'un, donc faut que ça soit bien fait.